Yo les gens, c'est Lopoke, aujourd'hui on se retrouve pour... De toute façon, vous savez, c'est écrit dans le titre, donc me cassez pas les couilles. Non mais si, parce que je vais passer 15 heures sur cette merde, je sais déjà, donc j'ai déjà un peu le droit de vous insulter, ok? Alors, en plus je dors mal en ce moment, putain! Depuis que c'est dans ma chambre, je dors mal, ça me saoule. Il faut que je l'ouvre une fois pour toutes, il faut que j'exorcise cette merde. Ah putain, il me faut un ciseau, un couteau, oh là là. Mais si je prends un ciseau ou un couteau à cette heure-ci, je vais juste me tuer. Allez, c'est bon, j'ai compris. Oh non, mais c'est trop gros, putain, mais c'est énorme aussi, là. Mais je pensais que c'était un carton qui était mille fois plus large que ce qu'il y avait vraiment dedans. Attendez, faut que je défoule. Bon, vas-y, le couteau, on va le mettre à côté de la box Lego. Alors, c'est un bloc pour interrogation. C'est censé être un truc à peu près pareil, en termes de pièces et tout. Hop. Le livret, pour savoir comment ne pas mourir en montant cette merde. Il y a 400 étapes. À la fin, on est censé avoir ça, d'accord? Déjà, bon, si c'est jaune, je serais content, parce que c'est vrai que le jaune, chez moi, c'est un peu bêta, si tu veux. Dans ce cube, logiquement, il est censé avoir des références au niveau de Mario 64. Ça vaut 170 euros. Bon, bah, let's go, écoute, qu'est-ce qu'on attend pour s'amuser, les amis? Déjà, il faut que j'ouvre le sachet 1. Incroyable. C'est parti. L'année dernière, j'ai un peu regretté, finalement, de pas avoir fait faire durer plus longtemps la vidéo. Oui, c'est français. Parce qu'honnêtement, je sais plus combien j'avais passé de temps à monter cette merde, mais j'aurais pu faire facilement une vidéo de 40 minutes. Comme Amixem. Amixem, il s'y est mis. Mais les Lego, après que j'ai commencé à en faire, il y en a plein qu'on en fait. Mais ça se trouve, on commence à me plagier, c'est bien. Après, j'aimerais bien les plagier au nombre d'abonnés, moi, mais j'y arrive pas. Bon, bah, c'est parti, hein. Hop, première pièce assemblée. J'ai fait la première étape. Let's go. Il m'en reste 396. Le but, c'est que je sorte cette vidéo le dimanche. Donc ça serait le dimanche 18, je crois. Dimanche 17, pardon. Donc si cette vidéo sort le 17, et qu'en plus vous êtes pas abonné, vous êtes vraiment des sales bâtards. Non mais si! Vous savez combien de temps ça va me prendre à faire ça? En plus, après, j'ai fait le montage. Le montage, c'est autant de temps. Non mais je suis en train de calculer parce que si je fais 100 étapes par jour, il me faudrait 4 jours pour finir ça. Et si je prends 4 jours à le finir, j'aurai jamais le temps de sortir la vidéo dans les délais, quoi. Je sens que je vais pas beaucoup dormir cette semaine. Cool. Ok. Mais il y a des trucs qui vont coulisser et tout après, hein. Ça va être trop bien. Je vous l'ai pas dit, mais celui de l'année dernière, là, je sais que j'en parle beaucoup, je suis désolé, mais c'est le premier que j'ai vraiment fait dans ma vie. Et je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas très bien faits, quoi. Genre, je vous l'ai pas dit, mais par exemple, la cartouche, si je la mets dedans, logiquement, il y a un tiroir, et le tiroir dedans, il marche pas très bien, quoi. Mais vous étiez pas obligé de le savoir l'année dernière, c'est bon. Du coup, c'est pour ça que je vais essayer de m'appliquer, là, cette fois-ci. Et en 26 ans d'existence, je me suis jamais appliqué, putain. Je dis pas que je vais faire les choses de la meilleure des façons possibles, mais je vais me donner à fond. C'est le principal, finalement. Alors, petit message à la NASA, parce que je sais que vous m'avez contacté suite à ma dernière vidéo. Mais non, je suis pas intéressé pour monter vos fusées. Genre, mais la pression que tu dois avoir quand tu fais des fusées. Déjà, là, je suis sous pression de ouf. Et quand tu fais une fusée et qu'il y a des gens qui montent dedans et qui meurent, si c'est pas bien... Non mais c'est bien les Lego en vrai. Y'a quoi comme métier stressant dans la vie? Mais tous les métiers sont stressants. C'est chiant que la vie ça soit en stress permanent là, c'est casse-couille. C'est pour ça que dans la vie genre faut prendre du recul sur les choses. C'est pas parce que tu fais mal un truc que c'est forcément très grave ou que t'as une mauvaise note, c'est forcément l'apocalypse. Même si tu rates des examens, tu les repasseras et alors t'es pas le premier à les rater, t'es pas le dernier non plus. Bon ça arrive. Hein. Comme le permis, je connais plein de gens qui se foutent la pression, mais. Bon c'est vrai que quand y'a de l'argent à la clé, c'est un peu plus casse-couille quoi. Mais en fait le problème c'est que se foutre la pression, ça te rend moins bon dans ce que tu veux faire en fait. L'échec fait partie de la réussite, hein, vous savez. Évidemment, le but ultime, c'est de réussir dans la vie, c'est de faire des choses qui nous plaisent et tout. Mais l'échec fait partie de la réussite, c'est vrai. Allez, fils de pute! C'est bon. Comment ça se fait que ça rentre plus quand je les insulte? Ils sont vivants? C'est comme dans Toy Story? Ok, je pense que j'ai fait une façade. Mais c'est drôlement petit, non? Non, c'est pas une façade, je pense. C'est jaune, là. Ça, c'est jaune. Non, non, non. On n'est pas passé loin. Hein. Putain, non, mais des fois, en fonction de l'angle de la lumière, et s'il y a des ombrages et tout, j'arrive à voir, des fois. Ok. Ouf, ça va être complexe. D'accord, et maintenant, il faut que les deux pièces s'emboîtent. J'ai peur de tout casser, en fait, ça me saoule. Oh, ça y est. Cool. Il y a une vidéo qui m'a terrifié, c'était il y a quelques temps, hein, quand même. C'était McFly et Carlito, et c'est genre une star de cinéma, je sais plus qui c'est, qui détruit un de leurs vaisseaux Star Wars qu'ils ont fait en Lego. Mais déjà, quelqu'un me détruit ça, mais je le tue. Tu vois, il y a un couteau à côté, maintenant, c'est pas pour rien, en fait. Ça m'a tellement marqué que je vous en reparle, en fait, parce que je l'avais vu à l'époque, c'était avant que je sorte ma vidéo Lego, et je me suis dit, ouais, bon, je m'en battais les couilles, parce que je savais pas ce que ça représentait comme boulot. Mais en fait, je l'ai revu, cette vidéo, après, je me suis dit, putain de merde, c'est horrible. Genre, tu pètes la moitié de ça, si tu veux le réparer, faut tout recommencer. Putain, j'ai réussi à caser McFly et Carlito dans les tags sans que ça soit putaclic. Pour une fois, c'est incroyable, franchement. N'hésite pas à commenter si tu es McFly et Carlito, même si tu l'es pas d'ailleurs, tu peux commenter. Tu veux juste dire, j'adore tes vidéos, le poc. Même si c'est pas McFly et Carlito, je m'en fous. Je retourne. Eh. C'est pas très grave. Franchement, ça commence à avoir de la gueule, hein. Ok, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Comme quand tu fais des maths quand t'es gamin, tu comprends rien, mais tu fais quand même. Sinon, le prof, il te frappe. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est plus les élèves qui frappent les profs. Chacun son époque, qu'est-ce que tu veux. Qui suis-je pour juger, après tout?
Ah putain, ok, en gros, attendez, je voudrais bien vous montrer parce que c'est vraiment ultra technique. Là, il y a un petit truc et il faut que je relie l'élastique entre là-dedans, là. C'est vraiment très dur de montrer, je suis désolé. Ah mais même moi, je vois pas ce que je fais, comment vous voulez que je vous montre? Ah putain, j'ai peur que tout se pète en plus. C'est bon, j'ai mis un élastique. C'est bon, j'ai mis l'autre élastique de l'autre côté. Et là, ça revient du coup, mais... Ça va se briser en fait. Je vais pas trop le faire pour le moment. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors ensuite, logiquement, il est censé y avoir des couloirs pour sortir les niveaux de Mario 64. Attends, c'est fou. Les bruits du Lego me rappellent les bruits de la 64. Genre ce bruit là. Un petit peu. Parce que je deviens fou peut-être après. Mais ça va, j'aime bien. En vrai, ça me dérange pas. C'est un peu reposant. Je pense pas avoir utilisé une seule fois le mot reposant sur la chaîne. À part aujourd'hui. Je suis à l'étape 95, mais il y en a 392. Mais sauf qu'à l'étape 95, j'ai déjà fait 100 pages sur 270. D'après les pages, je suis à plus d'un tiers, et d'après les étapes, j'ai fait un quart, je crois, à peu près. Mon objectif, c'est de finir après-demain. En vrai, je crois que je suis pas trop mal, là. Hein. Je vais arrêter là, je pense, parce que le problème, c'est que si je rouvre un truc, parce que là, il est tard, en fait, si je laisse ça là, sorti, avec toutes les petites pièces, mon chat, il va faire nimbe cette nuit, je le sais, et je veux pas me réveiller avec tout ce qui se fracasse par terre. J'ai besoin de dormir, ok? Du coup, là, on va juste stop là. Nice! Non, je suis content, j'ai bien avancé. Jour 2, il est 10h du matin, je vais monter ça toute la journée. Je suis ultra motivé en vrai parce que hier j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Et quand je vois le résultat de comment ça a avancé, je suis vraiment très content. Je me suis levé à 6h, j'ai couru 10 km. Je suis chaud mon gars, ok? Non mais Sébastien, il casse les couilles. À 100 000 likes sur cette vidéo, je fais un Lego de genre le plus gros Lego que je trouve. Je sais qu'il y a des Lego Titanic, mais après ça fera redondant avec ma vie quoi, qui est un naufrage. Attendez, c'est trop bien, je suis en train de faire un ennemi là, regardez. Et je crois que je vais le monter. Oh, c'est Bowser en fait. Je viens de comprendre que c'était Bowser. Attendez, on va le monter puis je le montrerai après. Il est trop cool, je l'adore, il est trop bien. Et du coup, je peux bouger un peu sa carapace et ses bras en faisant ça. Attends, je vais pas forcer parce que je vais le péter sinon. Ah, yes. Putain, quand ça marche, c'est quand même cool. Hein. Oh, ça veut dire que j'ai pas fait nimp. Ah. Je sais pas si on verra, mais je suis en plein dans l'œil. Bon, ça va, je me suis pas fait mal, mais... Waouh, maintenant même les Lego ils m'agressent. Calmez-vous, hein, on est plus au collège ici. Et du coup... Attendez, je veux vraiment tout filmer correctement, là. Ça se lève, on est d'accord. Et maintenant, j'appuie sur ça. D'accord. Et maintenant, je peux placer Bowser, comme ça. C'est pas une pièce clipsée, Bowser. Waouh. Mais pourquoi j'avais une corne de Bowser en plus? Non, mais je pense que les machines, elles préfèrent mettre plus de pièces que de prendre le risque de pas en mettre assez. C'est vrai que ça passe cette pièce pour finir un truc, c'est pas très drôle. Après, moi, je trouve ça marrant, perso, mais... Ensuite, quand j'étais petit, j'ai déjà brûlé des trucs. Hein, c'est marrant parce que ça a pas l'air d'être une blague, ce que je dis. Alors, il me faut cette plaque. Je crois qu'on va commencer à faire un niveau, hein. Waouh, y a un œil. Alors c'est glauque ce que je dis, mais c'est le monstre. Comment ça s'appelle dans Mario 64 l'œil comme ça là? Je suis Jean-Marie Le Pen. Merde. Il me manque quelques heures de sommeil, j'avoue. Je me demande si je peux m'en servir avec Lego Mario. Après il y a la couleur de la lave et tout, donc logiquement oui, mais je suis pas sûr que ce soit fait très pour. Vu que les dimensions sont pas du tout les mêmes. De toute façon Lego Mario, je sais pas où il est. Un jour j'ai jeté en dehors de l'écran, j'ai jamais retrouvé. Oh, c'est pas les cases. Si, avec Bowser. Mais si, dans le niveau de lave, je sais plus comment il s'appelle, t'as des pièces rouges dessus à choper. Enfin, je mettrai un extrait, mais c'est fou. Lui, là, c'est un boss qui donne une étoile si tu le tues. Mais oui, mais en fait, mais c'est vraiment le niveau. Pas sûr qu'il y ait tout, mais il y a une grosse partie du niveau qui est représentée quand même, là. Attends, mais il est où le volcan et tout, du coup? Attends, j'ai pas fini, donc peut-être que voilà, mais c'est vraiment trop cool. Ça, en vrai, si je fais un peu de la merde, c'est pas si grave, même si j'essaie de vraiment faire bien. Dans le sens où c'est juste visuel. Je sais que ça va pas être un gros mécanisme, ça va pas servir de manivelle ou un truc. Là, tu vois, si j'avais foiré ça, ça marcherait pas. Bon, là, je l'ai pas foiré, du coup. Ok, eh franchement stylé. Et maintenant, étape 7, il m'en reste 2 pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais, en tout cas c'est joli, j'aime bien. Je fais un truc là, je sais pas ce que je fais mais je fais quelque chose. Je fais peut-être une entité ou un monstre, je sais pas, mais ça ressemble trop à un bonhomme pour que ça en soit pas. C'est mon moi de 5 ans qui parle. Mais oui, mais attends, mais c'est le point d'apparition ça. Ça c'est le tuyau quand t'apparaît dans Mario 64, ça c'est l'herbe, et ça c'est les arbres. Et pour moi ça c'était rouge en fait. Et ça c'est la qui tue. J'étais sûr que c'était un bonhomme. Et je pense que là, c'est le château que je vais mettre ici après en fait. Il me reste 90 pages, j'ai pas raté un truc. Sauf si ça c'est tout rouge, et je suis baisé. En gros là il me faut ça, et ça va être des supports pour tableaux. Parce que j'ai les petites images des tableaux en fait, enfin, c'est vraiment minuscule. Hein. Waouh, c'est tout petit. C'est fou le détail qu'il y a. Moustache Marie.
Mario. Ok, c'est tout. Putain, mais Mario, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je pensais qu'il allait être un peu plus grand. Comme pour les tableaux, il y a aussi le portrait de la princesse Peach, il est tout petit. Enfin, vous vous rendez bien compte, t'as vu ma main? Je suis 1m66 en plus, donc c'est vraiment très petit. Et là, j'ai plus qu'à le mettre. Voilà, ça va être impressionnant, je pense. Mais du coup, attends, ok, c'est trop beau. Mais tout ce que je viens de faire à l'intérieur là, comment on le voit? Parce que là, en fait, je viens de condamner l'entrée finalement. Après, je sais que c'est là, quoi. Merde. Putain, c'est fou de se dire qu'en dessous, il y a vraiment les tableaux et tout, quoi. Putain. Mais personne ne le saura jamais, à part vous et moi. Ça, si j'avais su, j'aurais fait n'importe. Alors, élastique. Ah, mettre les élastiques, c'est un peu cancer, hein. Ok, quand tu mets les élastiques, c'est que ça fait une grosse étape. Une fois que les élastiques sont mis, il faut que je fasse le volcan. Mais pourquoi c'est seulement là? Faut que je fasse le volcan de cette zone, parce qu'il y avait bien un volcan dans le niveau de lave dans le jeu. Trop bizarre, je pensais vraiment pas qu'on allait le faire là. Après tant mieux, j'adore le feu moi, perso. D'ailleurs, éviter de brûler les trucs, c'est franchement très dangereux. Un jour j'ai brûlé du polystyrène, et j'ai eu des vapeurs toxiques, ça pue la mort, et je me suis pas senti très bien. Et pour le moment, ça ne se bloque pas. En vrai, je vois pas comment ça pourrait se bloquer. Peut-être que c'est là que ça va se bloquer, en fait. En tout cas, c'est la fin du jour 2, je suis à l'étape 9. Il me reste ça à faire. Alors, ça fait pas mal, mais comparé au début, c'est beaucoup moins. Je pense qu'il me reste un bon tiers. Il me reste une centaine d'étapes. J'en ai fait 293. Jour 3. Je sais même plus combien j'ai passé de temps sur le premier. Je sais pas si c'est plus long ou moins long. J'en ai aucune idée. Non mais je prends du temps parce que j'ai du mal avec les couleurs. J'ai du mal aussi à trouver les pièces. Des fois j'en chie ma race. Et c'est vrai que je suis un peu plus long que la normale, je pense, pour faire des Lego. Mais c'est pas grave, moi j'y arrive. Ah, il y a un petit chomp. Je sais pas vraiment ce que je fais, hein. C'est un niveau. C'est le Bomb Battlefield a priori. D'accord. D'où le chomp. Mais oui, mais je suis vraiment trop con. Ok, c'est le roi Bobon, il va bientôt apparaître là, logiquement. C'est bon. C'est bon. Oh, et c'est ses pieds. C'est ses pieds là. J'avais pas compris, mais c'est trop cool, j'adore. Trop bien. 318, 319. Ça avance, hein, putain. J'ai l'impression que c'est pas bien placé. C'est bon, c'est rentré. C'est que c'était ça. Non, j'ai cru que je m'étais trompé, mais... Oh là là là. Bon, il me reste environ 35 pages. Il me reste tout ça, putain. Et encore, je pense, le plus dur, peut-être le 12. Ça, c'est le niveau de neige. Le 13, ça a l'air d'être des gros Lego. Et ça sera pour finir probablement ça. On est jeudi. Demain, je monte toute la journée. Après-demain aussi. Ah, c'est pas fini, hein. Pour vous, ça va bientôt être fini, mais pour moi, non. J'ai pas fait le pingouin, je crois, pour le moment. S'il n'y a pas le pingouin, j'explose le Lego, hein, je vous le dis. Je le prends, je l'éclate par terre, j'en ai rien à foutre. Ah ça y est, je crois que je fais le pingouin, yes. J'aurais pas l'exploser. T'as pas un pingouin? Enfin, t'en as deux, t'as la maman, que tu mets en bas là, et t'as aussi le bébé. Et que normalement, Mario doit aller chercher et le ramener à la maman. C'est bon. J'ai fait clairement le plus gros là. Il faut déjà que je ferme ça, ensuite je ferme ça, et ensuite je ferme ça. Et là, le château est maintenu, en fait, par la force des deux. Ok. Ok, donc là, c'est là que tout se joue. Vraiment. Du coup, il faut que je mette ça là-dedans. Déjà, faut pas que je me trompe de sens. Le sens, c'est celui-là. Ok. Ils veulent que je bascule le truc et tout. Mais j'ai trop peur. J'ai passé tellement d'heures sur ce truc. Attends. Ah, si. Je clipse là. Et là, ça vient se rentrer dedans. D'accord, attends. Ok. Attends. Je le referme bien. Et là, je peux le tourner. Ouais, mais c'est incroyable. Non, mais attends, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Le dernier sachet. Putain. Let's go. C'est la dernière étape. Oh putain. Attends, c'est bon? Eh ben, je crois que ça y est. 392. C'est terminé. Attends. C'est pas totalement fini parce que je veux quand même appuyer un petit peu pour renforcer. Et puis je veux regarder surtout. Comment je sors ça? Attends, j'ai fait ça, j'ai entendu une pièce se briser. Ah, c'est comme ça que je sors ça. Mais attends, mais... Oh, Bowser, il est mort. Bon, ça marche du coup. Hop. Et en fait, tu fais une rotation pour le ranger. Putain, c'est fou, hein. La vache. Ok, et moi, maintenant, c'est ça que j'aimerais comprendre un peu plus, parce que j'ai pas trop regardé. Déjà, Bowser, faut que je reconstruise. Ok, et là, en fait, c'est pour le mettre ici. Donc là, ça tourne. Et ensuite, Mario... Attendez, il faut que je récupère. Mario, hop, tu le mets là. Ah non, vous allez pas voir, mais même moi, j'arrive pas à voir, en fait. Et en fait, c'est comme dans les combats de boss. Mais je comprends pas, parce que si je tourne trop, il passe pas, en fait. J'ai pas dû le mettre bien, ça, je pense. Bowser, il tourne, mais pas totalement, parce que sinon, il se tape le mur. Ah,
il s'est pas trop tapé le mur là. Bowser, tu le remets là. Et bien ça y est, j'ai terminé le Lego. En vrai, je suis content parce que c'est une belle pièce, mais c'était très long. Oh, je suis content. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez que je refasse des Lego comme ça. De toute façon, s'ils en ressortent, je les ferai évidemment. Mais des Lego un peu plus vénères, je suis sûr que ça peut être sympa aussi à faire. Oui, comme Amixem, mais c'est lui qui a commencé par me plagier, c'est bon. Après, bon, j'ai juste fait des Lego une fois, comme toi. Ah, mais vous likez, c'est pas déjà fait parce que vous êtes des gens bien. Maintenant, je vais passer au montage. Cette vidéo sort dimanche. Vous avez intérêt à vous abonner, à liker. Sur ce, je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mais portez-vous bien!